perché sur la charpente qu'il est en train de construire, David travaille directement en plein soleil. Or en Alsace, les températures actuelles peuvent aller jusqu'à 37 degrés à l'ombre. Des conditions de travail particulièrement difficiles qui nécessitent certaines précautions. Déjà beaucoup boire, hein, environ 2-3 litres par jour là. Et surtout une casquette, se protéger un peu là et pas hésiter à se mettre un peu à l'ombre là, si on commence à avoir un coup de chaud. Des pauses qui ne durent jamais trop longtemps car pas question que le chantier prenne du retard. Pourtant, une autre menace moins visible que le soleil guette ses ouvriers, l'ozone. Depuis quelques jours, l'Alsace connaît une augmentation de cette pollution. On a des activités, on a des voitures qui roulent tout le temps, les industries, il faut bien qu'elles fonctionnent aussi de manière permanente. Et puis on a un facteur déclenchant du pic qui va être la météo. On a des températures qui passent 30 degrés, on a toute une photochimie qui se met en place dans l'atmosphère et donc l'ozone s'élève de manière très importante. L'ozone devrait être moins présent à partir de jeudi. En attendant, les autorités régionales recommandent aux Alsaciens d'emprunter les transports en commun ou de prendre leur vélo. Quant aux asthmatiques et ceux qui ont des problèmes respiratoires, il leur est formellement déconseillé de faire du sport.